Dans cette vidéo, je vais te présenter mes builds de saignement que j'utilise actuellement, où je vais combiner également l'un de ces builds avec du poison. Je vais tout expliquer en détail et te montrer comment les utiliser efficacement. C'est parti. On commence avec un build assez particulier mais extrêmement efficace en utilisant le croc venimeux dans la main droite et la main empoisonnée dans la main gauche. Cette combinaison permet d'activer rapidement deux effets de statut et tu peux par exemple commencer par donner 4 ou 5 coups de poing avec la main empoisonnée pour intoxiquer l'ennemi. Puis tu pourras enchaîner avec le croc venimeux. Non seulement tu continueras à infliger des dégâts de poison grâce à l'effet de statut de base du croc, mais tu provoqueras également des saignements pour activer cet effet. Et dis-toi qu'avec les deux effets de statut activés, tu pourras infliger 50% de dégâts supplémentaires grâce à l'exultation des adeptes de la putréfaction et l'exultation du seigneur du sang, tout en portant le masque blanc ou la couronne fongique. Tu pourras également utiliser l'âme rocheuse sur le croc pour augmenter les dégâts physiques de 15% et les dégâts de posture de 10%. Pour tous les builds proposés, je n'utiliserai aucun buff car les dégâts sont déjà extrêmes et de plus, en nouvelle partie au niveau 150, je n'ai pas assez de points pour monter, en plus la stat foie. Je porte le masque blanc pour optimiser les dégâts de saignement, mais tu peux utiliser, comme je l'ai dit, la couronne fongique pour bénéficier de 10% de dégâts supplémentaires pendant 20 secondes. Au niveau des talismans, j'utilise le talisman de la danseuse bleue, l'exultation des adeptes de la putréfaction, l'insigne d'épée et les putréfiés et l'exultation du seigneur du sang. Et en ce qui concerne la fiole, j'y mets l'alarme de cristal fissuré et la lame fissurée épineuse. On continue avec une arme totalement sous-estimée, la lance de soldat de Mesmer, qui est une arme excellente non seulement pour sa portée mais aussi pour sa flexibilité en termes d'affinité et de cendre de guerre que tu peux ajouter justement pour t'adapter à n'importe quelle situation. Un point très fort de cette lance est son attaque chargée qui te permet de porter une succession de coups, et ici en plus nous allons utiliser à nouveau l'affinité sang pour réduire rapidement la barre des ennemis et activer l'âme rocheuse pour briser leur posture en un rien de temps. Donc en résumé, tu as un build combinant saignement et brisement de posture immédiat, ou si tu le souhaites, tu peux également utiliser la résolution de chevalier royal pour augmenter tes dégâts de 80% sur ton prochain coup. Et comme ici, on utilise une attaque chargée double, le buff reste actif pendant tout le combo. On porte toujours le masque blanc et le reste du set des soldats de Mesmer. Au niveau des talismans, la lame de miséricorde pour augmenter nos dégâts de 20% après un coup critique durant 20 secondes, le talisman d'épée à deux mains, le talisman de la hache et l'exultation du seigneur du sang. Et dans ma fiole, la lame fissurée à pointe et la lame fissurée à aiguillon de pierre. Pour le troisième build, c'est parti pour l'épée lance qui, selon moi, fait partie du top 3 des armes du DLC et le deuxième meilleur build saignement du DLC aussi. Nous allons utiliser Dim de sang qui est similaire à Estoc répété. Et la différence, c'est que tu pourras drainer les PV de ton ennemi à chaque série de 4 attaques. Les 3 premières drainant 2% chacune et la 4ème drainant 4%. Et en plus de cela, tu infligeras des dégâts extrêmes de saignement. Je vais pousser un peu le délire en utilisant l'armure de Rakshasa pour augmenter les dégâts et en ajoutant l'alarme fissurée buveuse de sang qui augmentera ma puissance d'attaque, mais en contrepartie me fera perdre des PV et cela me permettra de lancer Dim de sang encore plus puissant tout en récupérant mes PV. Pour ce build, j'utilise le masque blanc comme d'habitude et le reste de l'armure de Rakshasa. Au niveau des talismans, l'insigne d'épée les putréfiés, le talisman de la lance, le fragment d'Alexander et l'exultation du seigneur du sang. Et pour ma fiole, la lame fissurée buveuse de sang et la lame fissurée épineuse. Pour le quatrième build, je vais utiliser la double lame en acier noir pour des attaques extrêmes rapides et un excellent build d'attaques successives. Et le gros point fort de ce type d'arme est leur attaque chargée en sprint qui permet de réaliser un combo de plusieurs coups où nous allons également y ajouter l'affinité sang pour encore plus de dégâts. Alors pour maximiser cela, tu peux utiliser plusieurs items. Tu as tout d'abord la résolution de chevalier royal pour augmenter les dégâts de 80% sur le combo en sprintant. L'armure de Leda qui augmente de 10% les dégâts de sprint. Et tu as aussi le talisman enchevêtrement de lacération qui augmente les dégâts de sprint de 15%. Et crois-moi, grâce à tout cela, tu obtiendras un build surpuissant. Pour ce build, toujours le masque blanc et l'armure de Leda. Et pour les talismans ici, je vais utiliser un signe d'épée les putréfiés, le talisman de la danseuse bleue, le fragment d'Alexander et l'exultation du seigneur du sang. Mais je te conseille si possible d'équiper enchevêtrement de lacération, parce que moi en fait j'ai loupé une des étapes de la quête de Leda et je ne dispose pas de ce talisman. Et pour ma fiole, la lame de cristal verte fissurée et la lame fissurée épineuse. Et on termine avec un build extrêmement apprécié par les joueurs qui aiment le mélange entre des dégâts d'attaque successives et des attaques sautées avec la nouvelle paire de double lames de l'extension, les Falx.
Avec la cendre de guerre, tu peux soit foncer sur les ennemis pour un double coup, soit enchaîner avec des lames tranchantes après la charge pour anéantir la barre de vie des ennemis. Et tout ça, ça fonctionne super bien. Mais moi, j'ai décidé d'aller encore plus loin et je me suis dit que j'allais m'équiper de la célèbre Scavenger en main gauche et utiliser Seppuku dessus pour infliger encore plus de dégâts de saignement. Comme ça, en main droite, avec Falks, je pourrais toujours envoyer l'âme vengeresse. Pour ce build, j'utilise le masque blanc et le ramage d'oiseau sépulcral pour augmenter les dégâts des attaques sautées. Au niveau des talismans, l'insigne d'épée les putréfiés, le talisman de la griffe, le fragment d'Alexander et l'exultation du Seigneur du Sang. Et pour la fiole, la lame de cristal verte fissurée et la lame fissurée épineuse. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Je voulais te présenter mes derniers builds saignement et te donner les infos essentielles pour que tu puisses les utiliser. N'oublie pas d'activer la cloche, de t'abonner si ce n'est pas encore fait et de lâcher un like. C'était Motive Mano Gaming, je vous dis à très bientôt les gars. Ciao.